me dis pas qu'on était heureux avant, mais c'était peut-être plus simple en fait. Avant, quand on se mettait en couple pour des questions d'argent, parce que ta famille t'y obligeait, ou pour conquérir Westeros, bah, finalement c'était peut-être plus simple. Ouais, ça c'était des vraies raisons quoi, des raisons rationnelles. Ouais, et maintenant on se met en couple par amour, super, grande victoire de Cupidon, c'est le bonheur, génial, tu vois le résultat, dépression amoureuse, peur de s'engager, irresponsabilité affective, jalousie, frustration. Mais en fait, on est tous en train de galérer avec l'amour, c'est insupportable. Et tu préférerais quoi, un amour où il n'y a pas de séduction, où il n'y a pas de compétition, par exemple, comme... Comme chez un animal. Non. Si, parce que quand on est en train de discuter tous les deux, et qu'au bout d'un moment, on finit toujours par parler d'animaux, je me disais que là, tu allais parler d'un animal. Mais je n'allais pas parler d'animaux, j'allais parler de fourmis. Ah, oui, parce que chez les fourmis, par exemple, il y a 95%, même plus que ça, qui n'accèdent pas à la reproduction. Hein, et les quelques mâles et femelles qui arrivent à aller à la reproduction, qu'est-ce qui leur arrive aux mâles par exemple? Hein? Qu'est-ce qui leur arrive? Eh ben, ils meurent. Je suis désolé. Bon, en tout cas, moi je te parlais pas de sexualité. Si, ça je t'en parlais d'ailleurs. Mais je te parlais pas de reproduction. Je te parlais pas de transmettre son patrimoine génétique. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas d'un côté continuer à porter le mariage pour la vie, le couple monogame comme référentiel amoureux, comme institution, et de l'autre, dire aux gens qu'il faut être épanoui, qu'il faut vivre en hédoniste, poursuivre ses désirs, et vivre dans l'égoïsme. Voilà, c'est pas tenable. Il faudrait peut-être faire... Comment il disait l'autre là? Faudrait peut-être faire ça 3 ans juste. C'est l'amour, ça dure 3 ans. Qui c'est qui disait ça là? C'est le philosophe publicitaire? Non, un publicitaire. Plus... L'amour, ça dure 3 ans. C'est peut-être ça en fait. Salut Denis. Alors je suis pas publicitaire, je suis philosophe. Alors parfait. Ouais, si je peux me permettre, c'est un peu n'importe quoi. Ce qui dure 3 ans, c'est pas l'amour, c'est la passion. Et on n'a pas attendu Frédéric Belvédé pour le savoir. 3 ans, c'est la durée d'action du filtre d'amour que, selon la légende, ont bu Tristan et Iseult. Et il faut bien reconnaître que la passion, ça a des côtés agréables, mais ça rend aussi un peu neuneux, donc c'est peut-être pas plus mal si ça ne dure que 3 ans. Pour Tristan et Iseult, ça se finit mal en tout cas. Ouais, il a raison, en fait, la passion, c'est un peu la phase gaga, texto, smiley et tout ça, les petits noms et machin. Là. C'est un peu la phase, voilà, t'es en manque de ça après, c'est un petit peu ça. Ouais, heureusement qu'on a des émotions à ce moment-là quand même, parce que l'amour sans émotion... Comme chez les acariens. Non, tu vois, mais peut-être, mais non, j'allais parler des bonelli. Je sais pas si tu vois, c'est une espèce de ver marin, on dirait un organe qui aurait pris son indépendance, c'est un truc un peu dégueulasse. Et le mâle est 1000 fois plus petit que la femelle. Et du coup, pour se reproduire, il est obligé d'aller dans son tube digestif. Tu vois, imagine, de se faire manger par la femelle. Là, t'es quand même dans un truc, tu vois, c'est pas facile, quoi. C'est pas la passion easy. Hein. C'est quand même un don de soi. Ouais, t'es quand même dans le don de soi, là. Ah, là, j'ai entendu don de soi, c'est pas mal, on progresse. Le fond du problème, c'est que nous parlons français et que le français est une langue très pauvre pour exprimer les sentiments amoureux. J'ai un verbe, le même, pour dire j'aime mon épouse et j'aime les frites. Avec ça, on peut pas exprimer une grande palette de sentiments. Alors, heureusement, il y a des langues plus riches. Le grec ancien, par exemple, où il y a 3 mots pour désigner la relation amoureuse, Eros, philia et agapé. Eros, ça va, vous voyez ce que c'est, les garçons? Ouais, c'est le sexe. C'est bon, c'est pas la peine que je vous fasse un dessin. Philia, alors philia, ça va peut-être vous surprendre davantage, c'est l'amitié. C'est pas un mot qu'on utilise à l'accoutumée dans la relation amoureuse. Alors à la fin, quand on dit on reste amis. Non, Montaigne parlait d'amitié maritale pour désigner la relation qu'il a avec son épouse, mais dans l'amitié, il faut comprendre complicité, bienveillance, indulgence, compréhension simultanée et réciproque, et tout ça c'est beau et ça peut bien sûr nourrir l'amour. Non, mais est-ce que ça peut remplacer Eros? Donc quand Eros est plus là, on se replie sur Alors, j'aimerais bien que ça se passe pas comme ça. Ça peut venir compléter Eros, l'enrichir et lui apporter quelque chose de supplémentaire. Mais ça ne s'installe pas tout de suite, il faut prendre un peu de temps. Il y avait un troisième mot aussi. Alors agapé, c'est le don de soi, c'est... Dans la relation amoureuse, vouloir le bien de l'autre. Une autre distinction, vous trouvez ça chez Thomas d'Aquin aussi bien que chez Descartes, c'est entre amour de concupiscence et amour de bienveillance. L'amour de concupiscence, c'est quand j'aime quelque chose pour mon bien à moi. Par exemple, si je dis « j'aime le lapin », ça annonce un joyeux moment pour moi, mais ça augure rien de très bon pour le lapin. L'amour de bienveillance, c'est aimer quelqu'un ou quelque chose d'autre pour son bien à lui, pour essayer de le rendre heureux, de l'aider à accomplir son être. Et alors, du coup, moi, quand je dis j'aime mon chat, je... Mais est-ce que c'est pas un peu vouloir changer l'autre, du coup, agapé?
Oui, mais c'est pas forcément une mauvaise chose de vouloir changer l'autre. Vous avez vu le film de Terrence Malick à la merveille, il y a un acteur qui a une chemise à carreaux un peu comme le jeune homme. C'est Ben Affleck en plus. C'est vrai que t'as un côté Ben Affleck. Donc, à un moment, en voix off dans ce film, qui est un film sur les hauts et les bas, les tours et les détours de la relation amoureuse, on entend cette phrase: tu n'épouses pas cette femme parce qu'elle est merveilleuse, tu l'épouses pour la rendre merveilleuse. Rendre les autres merveilleux, ça c'est une belle ambition dans la vie, et ça n'est pas un problème de changer l'autre en ce sens-là. Donc. Ouais, c'est un peu difficile aujourd'hui de faire tous les trois. Ouais, c'est difficile, mais il ne faut pas manquer d'ambition. À la fin de l'éthique, la dernière phrase du grand livre du philosophe Spinoza, l'éthique: tout ce qui est beau est difficile autant que rare. Alors bien sûr, c'est difficile, mais peut-être qu'on n'est pas obligé de se contenter de conception de l'amour au rabais. Si je peux ajouter une chose, c'est qu'il m'a été donné dans ma vie, enfin, comme à peu près tout le monde, je pense, d'expérimenter de façon séparée et pure Eros, Philia et Agapé. Et il m'a aussi donné dans l'amour qui m'unit à mon épouse d'expérimenter les trois simultanément. Et il me semble que le composé des trois est de loin supérieur à chacun pris isolément. Il faut avancer sur trois pattes en amour. On peut dire ça comme ça. Après, n'oubliez pas que le désir est une bonne chose. Je ne suis pas en train de vous parler d'extinction du désir. Le désir, c'est la vie en nous. Et si l'amour peut être quelque chose de beau, c'est justement le lieu, parce que c'est le lieu où le désir se déploie. Mais désirer, ça ne veut surtout pas dire être complètement satisfait. Être complètement satisfait ou ne plus désirer, c'est être mort. Le désir, c'est une bonne chose. Vous connaissez les Rolling Stones? Ça me dit un truc. Rolling Stones? Allez-y. Ça me pâtit fort de débat. Ben non, ça marche pas, ça. Non, c'est bizarre. Nickel. Ah si, je sais. I can get no satisfaction.